revendique, on revendique. Hop la boue. Carte du monde, on va enchaîner hein. Après c'est une mission qui est très longue. Peut-être on va aller à l'Oasis Interdite. On peut enchaîner. Pour l'histoire des fragments là, est-ce qu'on a quand même 2 ou 3 qu'on peut. Waouh! Puis on aime le désert, hein. Team désert. Les Venatori nous ont devancés. On pense qu'ils se dirigent vers le temple. Autre chose? Vous avez autre chose à me dire? Rien de particulier. Une compagnie minière de Valfirmin s'était installée ici. Mais l'économie fluctuant, ils sont partis. C'est étrange que les mineurs n'aient jamais indiqué le temple sur leur carte. Oh, et certains éclaireurs ont vu un géant se promener par ici. Ouvrez l'œil, ce serait dommage de vous faire marcher dessus. Ouvrez l'œil! Allez, une petite requête en plus. Pourquoi pas, hein. Du nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Juste... les requises, les requises. Ah, on peut faire une meilleure cour. Qu'est-ce qu'on a? On peut faire ça. Il nous manque... Ouais, il nous manque des carrières et du bois encore, hein. Jardin de force céleste. Et ça il manque. Ah, c'est juste du lotus sanguin qui est en ce moment. Et la course fait quoi? C'est juste esthétique. Ça me prend 2 carrières et 2. Allez! Allez. C'est juste esthétique, mais. Mais j'aime l'esthétisme. Carrière et source de bois. Ici, un là, un là-bas. Est-ce qu'on a un peu là-bas, ça en est un déjà vu. Et là-bas. Ah, la zone est... Elle a pas l'air grande, elle a l'air tortueuse. De la guerre. Le connard de Venator ici. Cher mec, hein. Harding nous a bien dit qu'ils étaient là. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Oh, je suis en train de me rappeler et je pense qu'aujourd'hui on va pas tellement avoir le timing de se dire hey, let's go voir du tout. Let's go lire 1000 entrées de codex. Donc je pense vraiment qu'on se réserve, qu'on se sanctuarise une demi-heure la prochaine fois. Peut-être on est le stream. C'est juste que là j'y ai pensé après quoi. J'y ai pensé après. Balade-nous sur les hauteurs déjà. Surtout un autre couleur bleu.
Pour qu'il y ait deux Ocularum côte à côte comme ça. Alors, en revanche, des trucs comme ça, ils sont paumés, mes mates. Hein. Et 5. Un peu comme la côte orageuse. Il va te sauter, bof. Hein. Ce côté très sinueux. Ouais. Bon bah, apparemment on y va à la zone. Alors, en revanche, ouais, descendre les échelles, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, ils savent faire. Putain, les montées, je crois. Passer de l'autre côté pour aller chercher les éclats. Le chemin n'est pas si évident. Quelle est cette petite grotte? Allons voir. LT exploratrice. J'ai pas lu. Ça avait l'air important. Hop. Ok, donc elle a full son arme, on va pouvoir la blinder au Melek après. Quelle merdille. Autant quoi je me suis embarqué encore. C'est juste pour descendre. Bah super. Ça, on a aucune idée d'où on est dans le, sur la map. Ok, on est là. Quel merdier. C'était vraiment juste pour descendre quoi. Bah super. C'est vraiment exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire quoi. Cochon. Même dans ces mornes étendues, il y a de la beauté. Ah, le campement. Et voilà le campement. Ouais, c'est moi, ouais. Il y a des éclats partout. Le temple. C'est par là. Joli ici. Là, avec les mines et tout, je suis sûr qu'au début du niveau, il y a des sources de bois ou des sources de pierre et que je n'ai pas capté. Elles sont
Bonjour. Bonjour monsieur. Ouh. Oh pardon. Je l'ai pas vu moi. Solas. C'est vraiment éclaté comme une énorme merde ça. Par là je suppose. Putain mais. Ah, c'est vraiment du un niveau très très vertical. On parle de verticalité, je crois qu'on est en train de remonter. Je crois que c'est pour l'instant, je crois que c'est vraiment la map la plus bordélique qu'on ait vue. Hein. Et 4, ok. Bonjour. Bonjour. Oh, je suis bien là. Là. Sur un spot comme ça là. Moi je suis insane. Ce dragon de Golfalo il était là là. On va le dégager. Oula, ragdoll. Petit ragdoll là. Il y a moyen qu'on ait les 15 d'afficher. Ouais, non, on n'a pas les 15 points d'afficher sur la map. Se déverrouille, ils ont pouvoir de 6 éclats. Bon, on a largement 6 éclats là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Surtout près de la porte. Je suis d'accord. Il y a un truc qui cloche. Oh. La sensation près de la porte, elle a disparu. Je crois qu'il s'agissait d'une sorte de protection magique. Un avertissement, peut-être. Ou un test. Ça explique pourquoi les mineurs gardaient leur distance. La test, on aime bien. Et tous les éclats, ils servent à avancer dans ce temple. Marrant, non? Alors... Il y a des loups, des récompenses, machin. La magie était attirée par vous. Ah, et ça compte ma résistance au feu, c'est trop bien. Les effets sont restés bénins. Si ce n'était pas un piège, qu'est-ce que c'était? C'est peut-être une récompense pour ceux qui se montrent dignes. J'ai pas mon compte d'éclat, mais
J'en ai quand même quelques-uns pour qu'ils me laissent passer deux, trois portes là. Retourne en néant. Et on voit pas la map du temple, c'est marrant ça. Pas trop guess. Non, c'est le symbole des gardes des hommes, je crois. Essence au feu, essence au feu, essence au feu. C'est bien essence au feu pour le dragon de Wolfalois. On prend pas surcher des boules. Ah, la team ne bénéficie pas de ça. Et là. Et là, il me faut 18 éclats. Okay. Il nous faut d'autres éclats. Théorie, la dernière porte. Ok, donc il y a 3 portes par. Okay. Très bien. En vrai, on va aller clean l'oasis et ouvrir d'autres portes. Hein. Puis il y a une porte ouverte, d'avoir une porte finale là-haut, à mon avis, qu'on a clean les 3 espaces. Oh. On l'a pas vu, lui, il est arrivé, Solas. Les protections fonctionnent. Les déchirures avec la résistance au froid. Ah, il faut 6 éclats. Ça doit faire 6, 12, 18, un truc comme ça. Et ça, la résistance aux dégâts naturels. Très bien. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. C'est vraiment. Ouais, c'est un temple elfique, non? Je pense que c'est un temple elfique. C'est très très elfique sur le concept quand même. Alors je crois que je peux remonter, oui, et qu'il y a des éclats là-haut. Ah, je ne peux pas remonter, je l'ai dans l'os. Par là, je peux aller faire quelque chose, mais... Ouais. Ah. Black Wall. Black Wall. Bah, c'est trop d'âme, mon gars. On peut couper par ici. On peut couper par ici. Oula. Pas de la petite araignée ça. Hein. D'ailleurs, elle est pas toute seule. Je pensais que c'était encore un blanc à casser. Quoi? Oui, c'est ça. Black Wall. Merde. Ok, donc là ça fait un petit raccourci, genre vers le campement en fait. Insane. Est-ce qu'il y en a un au-dessus? Très bien. Donc on va refaire un petit tour. Oh là, un petit tour va être sans bout, comme on dit. Non, juste là, là. Non? Rien à signaler, oui. Noble dame. C'est pas un éclat là? Ok, rêve. Ok, rêve. Il est au-dessus. Bah attends. Oh, il est par là. Eh. Même pas si bête. Bon, je rentre le petit coffre là, mais on va dire que le coffre peut faire 100. Il y en a un au-dessus là-haut. Il y a encore un coup à Rome. On peut refaire un plan où on va aller clean le fond, ensuite revenir au début par le haut droit. Ça veut dire qu'on est entré par le haut bas gauche. Compliqué ce que je dis, mais je me retrouve. Oh, une petite fafaille. Une petite fafaille. C'est pas compliqué compliqué hein. Je
Oh, Black Hole qui ramène dans mes pièges. Ah oui, c'est beau ça. Ça, c'est du combo. Ça, c'est du combo. On aime. Sur les hauteurs. Pierre du serpent de l'immatériel. J'ai vu ça tout à l'heure, j'avais on a chopé un truc, j'avais obsidienne et obsidienne de l'immatériel. Je crois que je suis pas du tout allé là où je voulais aller. C'est marrant ça. On est vraiment en mode on suit des points, on voit la lumière, on entre. Hein. Comment je monte? Par là sans doute. Ah ouais, en revanche là, vraiment sur un stade où je ramasse une merde, ça me dit hey, tu as 18 cartes qui nécessitent jeter les mains. Pense-y. Être nerveux, hein. C'est un connard, ça. Les connards. Oh. Lui, il aura pas joué. Hein. Il aura juste pas joué au jeu, lui, hein. Il n'aura pas trop joué au jeu non plus. Hein. Vous repasserez les amis, on se fera plaisir. Il a tellement sauté dans le vide. Deuxième, par là. Non. Un là. Et deux, ok. En face. Y'a quoi par ici? Y'a rien? Ah. Oh, mais la faille, y'a genre du vide entre moi et la faille, non? Aïe. Là, y'a une cheville pétée entre moi et la faille. Ouais. Calmos bombidos, hein. Ok. Petit passage. Kevin va nous amener là où vous voulez aller. Ou pas. Faire plusieurs omelettes. Hein. Ok. Ça, c'est bien. Oh, one shot. Ah, c'est un peu. C'est de la gratuité, hein. C'est des claques que je mets, c'est des claques. Oh. Frost en l'air, c'était marrant ça. Ouais, c'était cadeau la faille, c'était cadeau. Boom! Boom!
Bon, il y a rien d'autre par là, quoi. Il y a cet éclat qui est là, dans mon dos. Alors comment je vais sur les hauteurs là-bas? J'y étais en fait. La vie m'emmerde. Hein. Bonjour. C'est moi, autant qu'il est triste. Je me balance, tu te balances, nous nous balançons. Par là. J'ai tellement peur de me gonfler là. Ah, il est en dessous. C'est ok. What? Un truc derrière? Non. C'est moi qui rêve. C'est moi qui suis matrixé. Il y en a hauteur gauche là. À hauteur gauche. Faut que je monte par là. C'est d'aller-retour en aller-retour. C'est peut-être pas le plus passionnant, mais on en tire quand même du plaisir. Normalement, c'est la vraie sensace de l'explo, de... Je sais pas, là, on est dans... Ah, c'est quand même fou, on est dans un RPG et tout. Et là, je suis vraiment dans un délire de... Alors attends, c'est pas c'est de la plateforme pour se dire comment j'atteins là-bas. Comment je m'y retrouve. C'est vraiment une petite notion d'exploration, de découverte et tout. Moi, j'aime bien. Le chat et bien sûr full loot entre les deux. Non, c'est en face. C'est en face. Comment je vais en face? Parce que j'ai pas vraiment moyen de prendre cette arche là, si ce serait bien. Hein. Si seulement. Bon, je sens que je m'embrigade dans un truc pas bon là. Je vais me faire descendre. Pas descendre. Je veux pas descendre et ces araignées m'en mordent. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est où? Quelle plaie ce sable, ça rentre partout. Comment je monte et je descends là? Je pense que c'est par là-bas. Ouais, d'accord. Ah oui, j'y étais tout à l'heure, j'étais complètement tout à l'heure. Par là c'est un chemin en fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Là où il y a quoi? La grotte de Faras. Ah non, les hyènes! Non! Pas les hyènes! Elles ont trop de vie! Je suis impuissant face à leur full HP. Je rigole, j'ai des gangs. On n'a pas fait cette grotte là, hein, si. J'ai encore une grotte qui descend. Voilà, du tout une grotte qui descend. J'ai plutôt l'air d'être une grotte avec vraiment mosaïque au bout. Bordel. C'est gros, c'est connasse. Y'a pas un petit niveau là. Hein. Mmh.
énervé ce combat, j'aime bien là, c'est ultra corps à corps et tout. C'est un peu le bordel, tout ce qu'on aime. Oh merde, mon chien. De calabre d'araignée. Tranquille Emile. Qu'avons-nous à gauche? On a allumé toutes les torches, il n'y a pas genre un message allumer toutes les torches. Clé de la grotte de Palas, ok. Oula. Ça y est, putain. Deux connards, encore à corps de tout mon groupe. Je vois difficilement comment vous survivez à vos conneries. Qui se bat et contre quoi là-bas? Les Venatori contre des hyènes. Des chacals contre des hyènes, si vous voulez. Mais c'est très drôle. Ça c'est de la tabasse en règle. Hein. Ça veut dire que c'est les hyènes qui gagneraient. Ça va Blackpool? T'as l'air un peu figé. Attends, parce qu'il y a un éclat à droite là, non? Comment c'est? Balancer, tu te balances, nous nous balançons. Versimite, je connais pas ça. Puis les graines directes, c'est ok, c'est honnête. Putain, y a pas un monde où on avait planté de l'elfidée, on a jamais été la chercher. Ça me dit un truc. Oupsie. Du chemin là-haut là, voilà. Pierre de serpent au passage, ça fait zizir. Il y en a un là, je vois. Il y en a. Je suis bête. Par là plutôt, non? Il y a un artefact elfique non loin d'ici. Je risque des trucs, mon gars. Bah oui, je vais clairement faire ce qu'ils ont fait mes potes. Foutez de ma gueule, hein. Là c'est vous. Vous passez votre temps à vous paumer quand je prends des chemins faciles. Là, vous me trollez, là. Hein. Glissade. Oh, pas de glissade. J'ai pas mis de pierre et de bois, non, je pense qu'elle a peut-être pas de ce niveau. Hein. Surprenant, mais. Pas impossible. La porte de la grotte. La zone de quête. Ah, les trolls.
Putain, il y a encore un éclat que j'ai oublié là-bas. Merde. Cette hauteur là, non? Faut que je remonte. Ah, il y a aussi un monde. Oui, c'est vrai qu'au début j'étais en haut là. Et j'ai pris la mine en spirale de merde là. Ok, je sais plus où. Ça peut être pas loin d'ailleurs. Voilà, on peut remonter ça. Bon, c'est vraiment de l'exploration. Là, on est sur du creusage de map. Les petits épisodes Oasis, à mon avis, il y en aura un deuxième en plus. Ou du moins, il y a un. On dira, putain, faut que j'y retourne. Parce qu'en fait, j'ai oublié un éclat dans le fond du cul d'un éléphant. C'est vrai que là, si en 10 minutes on peut choper tous les éclats, ça va être compliqué, à mon avis. À mon avis, mesdames et messieurs, on va devoir le faire dans un second temps, cette histoire. C'est dommage parce qu'on est vraiment à juste avant un super. Enfin, c'est dommage. Vraiment, épisode de ouf sur la quête principale. Grosse attaque d'un fort avec des gardes des ombres méchants et tout. Trop stylé, tu vois. Mais non, on est dans la putain de désert. En train de crapahuter, je sais pas où. Je la vois pas la faille des amigos. Elle en dessous. Allez, il va falloir examiner les lieux. Sans déconner. Mais attends, si je descends, je peux pas remonter. Ah, les alliés sont pas vus, mais ça veut dire. Pas clair. Je suis encore foutu dans un endroit où j'ai aucune idée comment je fais pour remonter, c'est ça l'idée? Quel enfer. Attends. Par là. Petite bouteille d'alcool. Attends, autre chose? Non. Just a dream. Attends, parce que moi j'étais bien là-haut en fait. Là. Oh mais. Non, merde. T'es toute ta famille dans une boîte là-haut. Là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, gros? Par là, qui d'où on vient? C'est pas mon acte le plus intelligent. Et on va redescendre en plus. Où est-ce que je vais? Qui suis-je? Dans quelle étagère? On est où là? Je suis super content qu'on ouvre des raccourcis et tout le tintouin là, mais. Attends. On revient au début du niveau, non? Au secours. J'aurais pu regarder ma map. J'aurais pu. Dans ce coffre, y'a quoi? Une belle récompense quand même ou de la merde?
de la semi-merde quand même. Hein. Reprenons la route, Trésor. C'est l'endroit rêvé pour les embuscades ici. Ouais, ouais. Si tu le dis. C'est l'endroit rêvé pour se faire chier le cul, ouais. C'est un peu randonnée land, hein. Ce qu'on vous propose là comme gameplay. Alors attends. Par là on est direct à l'extérieur et en plus il y a un éclat. J'ai vraiment fait the mauvais choix dès le début. Ah oui, on est de l'autre côté de, du temple. On fait quand même un petit raccourci sympa. Là je suis tombé, je l'ai dans le cul. Trop bien. Nice. Aïe! J'ai dans le cul, mais j'ai trouvé des éclats. Et un coffre. J'ai pas tant dans le cul que ça. Hein. Y en a encore là sur les hauteurs. Voyager alors que c'est juste à gauche du machin, non? Eh, on va peut-être finir les éclats. Plutôt cool, non? Enfin, les éclats de l'oasis, on s'entend. Lotus sanguin x7, pas mal, pas mal. Et là, au-dessus des éclats. Donc c'est vraiment la hauteur là. Je peux remonter ou pas? Genre par là. Ce serait bien. Hein. Ce serait vraiment bien de pouvoir arrêter d'être dans l'échec permanent. D'énergie, ça c'est pour mon pote Solas. Mon pote Solas. Il y en a un autre là. Pour ça, il faut que je monte. De lien ici et là, de par là. On s'y retrouve, hein, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Je l'ai dans le cul, non? Ça se fait, ça se jump, ça? À mon avis. À mon avis. Ah, putain. J'ai dans le cul par ici. Ah, j'ai juste à faire le tour, hein. C'était vraiment de la fainéantise. Faire le tour, mais pas pour. Oh là là, ici c'est un grand tour en fait. Une bordure du désert. Oh les gars, les gars. Cassez-vous, cassez-vous. Pas compris là. Ouais, voilà. Hop. Et les gars, c'est génial. Moi, je valide la loue centrale. C'est ça, de toute façon. Parce que... Ils sont tous sur le bordure de ça. Alors, comment il y a celle-là? C'est
par là vous voulez aller, non? C'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté, non? Pipe de machin. On veut là ce bloc là. Mais ce bloc là, il est un peu isolé en vrai. Hein. Ah, il y a un pont là. Et on est juste très très con aussi. Hein. C'était full par l'autre côté. Je suis un dégène. On veut forcer un chemin qui n'existe pas en fait, non? Par là. Après, il y a un... C'est le tenter le diable, non? Ça passe? À mon avis, ça va être ici que c'est compliqué. Ça passe. Ok, est-ce qu'on est là où on voulait être? Presque, hein? On va venir pas s'en sortir avec ces conneries. Bon, on est à un endroit où on avait très bien réussi à accéder tout à l'heure, mais par un autre chemin. On a juste vraiment fait des espèces de raccourcis. Je n'en sens pas vraiment. Comme ça se ressemble pas mal. Est-ce que je suis vraiment passé là? Je pense pas, hein, parce que j'aurais cliqué ce truc-là. Hein. Les protections fonctionnent. Ouais, je suis jamais passé par là, on est d'accord. Hein. Là. Il approuve parce que... Ah oui, il approuve. Là. Il approuve parce que je lui fais faire des trucs. Ok, il y a une quête en dessous, mais... Allez, bon. Là, ici. Non, je suis sous l'homme. Il est où le dernier éclat? Genre, il y a un ocularum quelque part pour un éclat? Ah non, j'ai fini les éclats de l'oasis. Eh, nice ou pas nice? Ça veut dire qu'on va se set up à Fort Céleste. On a 5 minutes pour aller crafter un peu. Et la prochaine fois, bim bam boum, quête principale. Ah, amélioration. Ah. Compétences et dévouement ou infirmerie sont les soutiens. Baston! C'est quoi par là? Terminé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, le jardin. J'avais planté des trucs ou pas? Ah oui, du coup je peux les récolter. Je suis des royales, non?
Il y a de l'elfidé tellement il m'en faut. Y'a d'autres pots ou j'ai juste deux pots de merde? Apparemment j'ai juste deux pots de merde. Super le jardin. Super. Énorme. Et voilà le travail. J'ai terminé un autre de ces inquisitrices. Je peux pas aller voir les trucs de ces mosaïques de merde là. Ailleurs. Là où tout est neuf et tout est sauvage. Chouk. Point stuff, rapidement. Bâton de foot de l'enchanteur. Attends, machette affilée, ça éventuellement pour Cole, mais je n'y crois pas trop. Ouais, voilà. Pouf, tous les bâtons ils puent la merde. L'arc il pue la merde. Armure. C'est de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Accessoires. Allez. Si toi plaise. En vrai. Amulette de pouvoir et elle est pour. Cool, je crois. Très bien. Teindre les armures. On va faire une petite teinte d'armure quand même là, parce que. Oh. Oh, on va se faire ça. J'aimais bien le bleu là au tout début. Ouais. Ouais, on peut faire en basurite, en otium, en obsidienne, vitriol bleu, en éternalite, pyrophyte, en pierre estivale, en pierre du serpent, pierre du drex, moche, otium, petit otium. Ça, c'est le cuir, ouais, d'accord, c'est joli. Hein. On peut vraiment beaucoup s'amuser sur les couleurs. Quelque chose de sombre, pas mal la peau d'ours. Et le deuxième tissu. De la soie. Acheter, vendre. Et bah putain, oui, on était. La limite de nos capacités. Et on peut craft un truc, je crois, plutôt cool. Voilà, la hache. Qui est peut-être mieux que... Oh, c'est pas mal, ça. Oh. C'est même... Et ça, c'est excellent, les griffes de grand ours, là. On va le tenter. Métal, plus un cœur d'orage direct, non? Cœur d'orage. Un 142, ce serait bien. Du otium, j'en ai à la pelle. De la constite, ouais, de la constite. Je crois que ça n'a pas créé un objet d'exception. Et que c'est pas ouf pour le coup. On va voir sur Black Hole. Ouais. Ouais, c'est moins bien. En revanche, sur. Peut-être sur Cassandra. Oui, c'est mieux. Allez hop. Hop, Cassandra. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, Cass. Hop.
rapidement un peu de craft, un peu de personnalisation. J'avais mis les bannières d'Alassienne. Est-ce que je les garde? Oui. Le lit. Je vais mettre un lit plus. C'est pas mal le lit un peu. Allez, lit des marchés de la Baldakim. Tenture. Tenture d'Alassienne. J'aime bien, hein, évidemment. On est fou. Elf, elf. Armoirie. Position. Trône, est-ce qu'on a nous? On a. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Trône chassine, je suis pas fan, on va rester sur Fort Call pour l'instant. Mais moi j'ai un appel. Excusez-moi. Et puis trop d'Alassie, hein. Vive la Dalassie. Vive la Dalassie. Hop, améliorer les potions. Peut pas l'améliorer pour l'instant parce qu'il faut tellement de trucs. Wow, calme-toi Billy. Ça on pourrait l'améliorer. Ça bouffe de l'elfidé, mais comme Shala, c'est un délire. Grenade, on peut améliorer la grenade, mais pareil, mais c'est trop cher, c'est tellement cher. C'est pas du farm qu'il faut, c'est des. Mais je sais. Ah oui, c'est l'arme des morts, l'étranger. Ah non, c'est. Ok. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi et puis bonne journée à vous sur la chaîne des Cave Space.